Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live que nous avons programmé ce matin et dans lequel, comme l'énoncé le dit, nous allons parler de quelques sujets. Nous allons parler de l'homosexualité au Cameroun. L'homosexualité, c'est un sujet qui est un peu tabou, hein. On essaye de le maintenir tabou, mais qui continue de défrayer la chronique dans l'actualité au Cameroun, que ce soit l'actualité sociale, que ce soit l'actualité politique. Donc, nous allons crever l'abcès, nous allons mettre le doigt sur le problème et nous allons parler enfin de ce sujet dont tout le monde parle, mais que personne ne veut vraiment avouer. Nous allons aussi parler, entre autres, du meeting de Consamba, pardon. Bafoussam était un tel succès que ça nous revient toujours à la bouche. Nous allons parler du meeting de Consamba qui se prépare et qui va se tenir ce samedi 8 octobre. Nous invitons tous les combattants, toutes les Amazones au niveau du 237 à y être. Votre humble servante Sandy Boston officielle y sera. Je serai bel et bien en Consamba ce week-end et ce sera bien sûr pour votre plaisir. Et nous allons aussi parler de Maman Pilon. D'ailleurs, je pense que nous allons ouvrir avec le problème de Maman Pilon. Maman Pilon, c'est une femme que vous connaissez tous. C'est une brave femme camerounaise qui s'est distinguée par son courage, par son abnégation, mais surtout par sa détermination et son attachement aux idéaux de la renaissance et du changement profond du Cameroun. Donc, nous allons commencer par le sujet de Maman Pilon. Je vous invite à regarder avec moi ce reportage et demain soir, je serai bien sûr avec Villageoise du Kouat et Annie Tchoko dans le cadre de United for Cameroun où nous allons développer amplement ce sujet. Donc, je vous invite à suivre le reportage que je vais vous présenter et tous les droits reviennent à Naya TV de Jean-Bruno Tagnier. Tous les droits reviennent bien sûr à la chaîne de télévision Naya TV. Donc, suivez avec moi ce reportage. Attendez que je mette un nom. Je dis que c'est... Je dis que ce régime qui fait en sorte que les enfants n'aient pas d'emploi, c'est ce régime que je pile. C'est le commandant lui-même de compagnie qui m'a torturé. Elle montait sur moi, disant, tu ne peux pas aller faire ça chez toi, vous les parmi les quais. Il y a eu quand même les pleurs, la séparation, mais j'étais à l'aise, j'étais fière. L'histoire d'une passionnée, d'une jusqu'au boutiste qui vient d'achever son séjour en prison. Thérèse Assomon, alias Maman Pilon, a purgé sa peine de 2 ans, libre depuis le 30 septembre 2022. Il y a eu quand même les pleurs, la séparation, mais j'étais à l'aise, j'étais fière. Après 2 ans. 2 ans que je ne pouvais pas sortir parce que les gens meurent en prison. Devant toi, tu vois quelqu'un rendre là. Tu dors avec quelqu'un, on te dit qu'il est mort. Tu as causé avec quelqu'un à 15h, à 17h, tu dis que le monde est au ciel. Une fierté qui cache mal un passé douloureux dans les geôles de la prison principale de Mfou. Ça n'a donné pas. Quand j'entrais, c'était un nouveau monde pour moi. D'être quelque part où je ne connais pas et je ne croyais pas être un jour. Pour moi, c'était difficile. Bien que j'étais malade chaque jour. 8 au départ, Thérèse restera seule à Mfou, les 7 autres ayant été déférés à Yoko. J'étais encore plus terrorisée. Je passais le temps à pleurer. Le temps à pleurer. Et je n'avais personne à mes côtés pour me consoler. En ce moment, en ce jour solennel que je sors de la prison principale de Mfou. Alors, un instant, vous dites que... Est-ce que vous m'entendez?
Parce que je vois des gens dire qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez s'il vous plaît si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Je veux savoir si vous m'entendez parce que je ne peux pas jouer un élément si vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez un retour? Vous avez un retour sur le son? Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc je reprends dans l'élément. Si vous m'entendez, je vais reprendre. Je reprends l'élément. Est-ce que vous entendez maintenant? J'ai dit que ce régime qui fait en sorte que les enfants n'aient pas d'emploi, c'est ce régime que je pile. C'est le commandant lui-même de compagnie qui m'a torturé. Elle montait sur moi, disant, tu ne peux pas aller faire ça chez toi, vous les familles, les gays. Il y a eu quand même les pleurs, la séparation. Mais j'étais à l'aise, j'étais fière. L'histoire d'une passionnée, d'une jusqu'au boutiste qui vient d'achever son séjour en prison. Thérèse Assomo, alias Mama Pilon, a purgé sa peine de 2 ans, libre depuis le 30 septembre 2022. Il y a eu quand même les pleurs, la séparation. Mais j'étais à l'aise, j'étais fière. Après 2 ans. 2 ans que je ne croyais pas sortir parce que les gens meurent en prison. Devant toi, tu vois quelqu'un rendre l'âme. Tu dors avec quelqu'un, on te dit qu'il est mort. Tu as causé avec quelqu'un à 15 heures, à 17 ans, tu dis que le mort, tu es fier. Une fierté qui cache mal un passé douloureux dans les geôles de la prison principale de Mfou. Ça n'a donné pas. Quand j'entrais, c'était un nouveau monde pour moi. D'être quelque part où je ne connais pas et je ne croyais pas être un jour. Pour moi, c'était difficile. C'est bien que j'étais malade chaque jour. 8 au départ, Thérèse restera seule à Mfou, les 7 autres ayant été déférés à Yoko. J'étais encore plus terrorisée. Je passais le temps à pleurer. Le temps à pleurer. Et je n'avais personne à mes côtés pour me consoler. En ce moment, en ce jour solennel que je sors de la prison principale de Mfou, pour avoir fait ce qui est normal pour mon pays, pour avoir dit ce qui est vrai, j'ai été incarcérée. Et le temps que Dieu a voulu, que je sors. J'aimerais dire une chose. Nous ne luttons ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits qui nous jeûnent. Au commencement de ce calvaire, la détermination du patron du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le Jai Lobo, son département d'origine, ainsi que celui du président national du RDPC et président de la République, a marché le 22 septembre 2020. Ils seront stoppés net au carrefour Kouaban, à Yaoundé. Ils portaient un drapeau vert ou jaune. Le communal portait un drapeau vert ou jaune. Les autres avaient, nous tous, on avait l'arbre de la paix. Quand on arrive, on arrête d'abord de... Moi, j'étais vers Santa Lucia. Les autres étaient dispersés que je ne les voyais plus. J'entends seulement, il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Là, on est... Il y a quoi ici? Il y a quoi là-bas? Je parle. Il y a quoi ici? On arrête, on jette dans la voiture. Il y a quoi ici? Je viens aussi avec mon drapeau que je viens voir ce qui se passe. On dit, voilà l'autre, arrêtez là. Voilà l'autre, il y a même quoi? Monte là-bas dans la voiture. C'est le commandant lui-même de compagnie qui m'a torturé. Il avait le policier qui me tirait les cheveux dès qu'il soulève ma tête. Il mélangeait ses deux bras. Il tapait sur ma tête si. Ma tête est devenue grosse. Le sang dans les yeux, partout. On m'a posé sur le communal disant que c'est mon mari, c'est moi qui suis sa femme.
on m'a tapé avec la machette. C'était les machettes et les matraques, plus les rangers. J'ai encore les séquelles sur moi, les rangers. J'ai encore mon dossier. Une femme qui était plus grasse que moi, elle travaillait à la compagnie d'un fou. Elle montait sur moi, disant, tu ne peux pas aller faire ça chez toi, vous les familles, tu ne peux pas aller faire ça chez toi, c'est chez nous que tu viens faire ça. Hein? Qui t'a envoyé? Je vais t'écraser, je vais même te tuer. C'est de là où le commandant de compagnie vient encore. Il m'arrache la chaîne que je porte. Il coupe, il enlève mon chaîne. Il me coupe, il dit, mange ça, tu as mal. Ouais. Il a coupé. Il dit, tu sais, coupé en trois. Il dit, mange, tu as mal. Je lui ai dit, je ne peux pas avaler la chaîne. C'est un fait. Et je ne peux pas manger. Il dit que tu vas manger. Bref, on a fini de nous torturer. C'est de là où le commissaire Ngaondo prend, il voit mon attestation de paix. Il dit, qui s'appelle Assomme ici? Je me suis tué, il a demandé trois fois. Il dit, c'est moi. Il dit, tu es Ngaondo. Et tu pars dans la chose des Bamileke. Je lui demande, ne sont-ils pas Camerounais? Le 30 septembre de la même année, Mama Pilon et 28 autres militants sur l'ensemble du territoire seront condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme. J'ai pris ça avec joie parce que j'ai pris mon parti et je ne pouvais pas rentrer en arrière. Et je ne pourrais rentrer en arrière. J'ai pris ça avec joie. C'est pour mon parti, pour la nation, pour avoir défendu, pour avoir parlé une vérité de ma nation qui règne. Le chemin de croix de la pensionnaire de Mfou contamine sa famille, restée à San Melima. Ceux qui étaient à l'école, on les a chassés des établissements. Rivières, les catholiques, les prêtres, ils ont dit que parce que moi, je fais la politique, MRC Chicanto, les enfants ne doivent pas être à l'école. Aucun établissement de San Melima. Les gens prenaient même les décisions de les prendre, de prise en charge. Chasser de la maison qu'on vivait. Chasser même de la maison qu'ils vivaient le jour qu'on m'a arrêté. On les a mis dehors. Les champs que j'ai cultivés là, la Bayerice a dit que c'est son terrain. On ne mange pas ça. J'ai acheté un terrain qu'actuellement, ils sont partis déterrer les bords. Disant que je ne mérite pas une chose de ça. Le comptoir que je vendais, les agents de la mairie sont venus porter. Le comptoir que je paye, que je payais, sont venus porter. Et les enfants ont continué de connaître. Ils n'ont pas fréquenté. Ils n'ont pas fréquenté l'année là. 2020-2021. Ils n'ont pas fréquenté. Ma propre maman. On partait le ménage, le sous-préfet de San Melima. On voyait les gens le menacer. Une pauvre mère. Elle est dans le LDPC. Un petit frère fermait l'atelier de Ménifié. Il ne voulait plus. Pas qu'il ne voulait plus, il avait peur. Une peur qui n'est pas du goût de la départementale, qui reste déterminée à poursuivre son combat. Mouillé, c'est mouillé, quelqu'un l'a dit. J'irai de l'avant. Je ne recule pas. J'ai fait mon choix comme tout un chacun. Peut prendre son parti. Peut décider d'adhérer dans un parti. Il y a plusieurs partis. Chaque Camerounais a pris son parti. Pourquoi m'en vouloir moi qui suis dans le MRC? Je le ferai. Pour Thérèse, l'origine d'un leader ne compte guère. Seule son idéologie prône. Si nous voyons une personne qui veut faire avancer le pays, soutenons-le. Car je suis dans le MRC. Et le MRC veut un changement d'idées. Parce que nous travaillons avec les idées, pas avec le cœur, la tête. Si nous travaillons avec le cœur, nous allons tout détruire.
Mais si nous travaillons avec la tête, nous allons réussir. Les idées rassasient plus que la nourriture. Et moi, je veux piler le régime. Le régime de Bouddha, comme ça. Comme je pile le plantain ici. Pour arrêter un peu. Vous vous souvenez certainement de Thérèse Asomo dans sa cuisine avec cette vidéo qui l'a rendue célèbre avant son calvaire. J'ai dit que ce régime qui fait en sorte que les enfants n'aient pas d'emploi, c'est ce régime que je pile. Et vous êtes devenue maman. Et c'est par là que je suis devenue maman. C'est la liberté provisoire pour Thérèse. Deux ans d'enfer. Bon, en fait, c'est nos copiers, c'est nos poteaux. Ça ne s'explique pas, on ne reste juste le Seigneur. Également condamné à 6 mois de prison avec suicide pour avoir distribué les cache-nez pendant la période Covid. Cette femme, mère de 6 enfants, 5 arrière petits-fils et à bientôt 60 ans, n'a plus d'abri ni d'emploi. Elle a été chassée de chez elle à San Medima pour son engagement politique. Alors, qui est-ce qui n'est pas révolté lorsqu'il regarde ce reportage? Qui est-ce qui n'a pas la rage lorsqu'il regarde ce reportage? Qui est-ce qui n'a pas l'envie d'en découdre avec ce gouvernement lorsqu'il regarde ce reportage? Cette femme a pris 6 mois pour avoir distribué les cache-nez pendant la période Covid. Bon sang, qui est-ce qui va condamner quelqu'un à 6 mois d'emprisonnement pour avoir aidé les Camerounais? On est dans quel pays comme ça? On est dans quel pays? On l'arrête, on la torture, on la bastonne. Parce qu'ils sont convaincus. Et ils disent que seuls les Bamileke veulent le changement. Ils sont convaincus qu'elle est Bamileke. Juste à ce que quelqu'un lise son identité et voie Thérèse Asomo. On lui dit, tu es Betty, qu'est-ce que tu fais dans les choses des Bamileke? Merde, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Au point où cette pauvre femme, ses enfants étaient jetés dehors, chassés de l'école. Elle est chassée de San Medima. Elle n'a plus de quoi vivre. Ses enfants sont démunis. On est dans quel pays? Elle a marché avec l'arbre de la paix et avec le drapeau du Cameroun. L'arbre de la paix et le drapeau du Cameroun. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter 2 ans en prison? 2 années de sa vie. 2 années de la vie de ses enfants, de sa famille perdue. Ils ont été pourchassés dans le Dja et Lobo. Ils ont été chassés. La mairie est venue prendre son comptoir où elle vendait au marché. Un comptoir qu'on paye parce qu'on sait, les commerçants payent leur place au marché. Elle payait son comptoir. La mairie est venue porter son comptoir et amener. Soi-disant parce qu'elle est du MRC. Bon sang de bonsoir. On est dans quel pays comme ça? Et après, des individus osent ici nous dire que nous sommes violents. Nous sommes violents quand on boycotte ces mécréants. Nous sommes violents. On n'a même pas encore commencé la violence. Je dis qu'on n'a même pas encore commencé la violence. Une maman qui est bientôt à la soixantaine, battue avec les Rangers, battue avec les machettes, bastonnée, brutalisée. Simplement parce qu'elle a marché avec son drapeau en main. Et l'arbre de la paix demandant la fin de la guerre. Simplement parce qu'elle a distribué des cache-nez pendant la période Covid. Bon sang de bonsoir. On veut tuer une Camerounaise, une maman de près de 60 ans pour avoir distribué des masques Covid. On est dans quel pays là? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Et quand on va boycotter ces prostituées, ces mécréants ici-là, lorsqu'on va et le boycott sera encore plus... Merde, on est où là? On est où? On est où? On n'a pas encore touché à un seul sardinat ici. On leur a versé de la farine
et on a empêché leur soirée. On n'a pas encore touché physiquement à un seul sardinard. Et ils se plaignent, ils crient partout que nous sommes violents. Ils crient partout que nous sommes violents. Ils étaient où quand on a bastonné cette maman? Ils étaient où quand on l'a torturée? Ils étaient où quand on l'a portée, on a jeté sur le communal en disant que c'est son mari? Ils étaient où? Ils ne pouvaient pas s'indigner pour cela? Des gens qui sont incapables, on torture les gens au Cameroun, on casse les maisons des Camerounais. Dikolo a été cassé, maintenant c'est les casses à Yaoundé, casse partout, casse à Saint-Mélima même, bon sang de bonsoir, casse des Camerounais. Et des imbéciles viennent nous dire ici que nous sommes violents. Vous n'avez pas encore vu la violence. Vous n'avez pas encore vu la violence. Vous n'avez pas encore vu la violence. Le boycott que nous allons mener cette année-ci, ce sera le Mami Pi, le Mami Wata du boycott. Merde, on est où là? On est où? On est où? Si votre mère, une femme de plus de 50 ans qui approche la soixantaine, est bastonnée de cette façon, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des mères, vous avez des sœurs, vous avez des tantes. Vous acceptez qu'on torture une femme simplement parce qu'elle a marché pour demander la fin de la guerre? Attendez que je vous montre. Hein. Et cette vidéo, je la joue en prélude, je rappelle. Demain soir, restez scotchés ici. Villageois du Kouad, Annie Tchoko et moi-même, nous montons au créneau, les combattants. Nous montons au créneau. Nous allons ouvrir une cagnotte pour cette maman et les autres prisonnières politiques. Nous allons démontrer à ces gens que la renaissance est amour. Nous allons démontrer à ces gens que nous ne laissons pas nos combattants. Nous n'allons jamais abandonner nos combattants. Demain, connectons-nous ici et tontinons pour cette maman. Ça, c'est même le qui, ça, non? C'est le qui ici? Attendez, hein? Comme moi-même, je suis un peu perturbée ces temps-ci. Allez! Notre président. Allez, allez. Est-ce que vous voyez ça? On les arrête, on les torture et on les force à chanter Paul Biya président. On les force littéralement à chanter Paul Biya président et applaudir Paul Biya. Et après, ces gens vont nous dire qu'on est violent. Le prochain Sardina qui tombe entre nos mains, on va lui faire la même chose. Je répète, le prochain Sardina qui tombe entre nos mains, il va chanter comme ton président. Je dis qu'on va l'asseoir par terre et il va chanter comme ton président. C'est ça ou rien. Maintenant, nous allons rentrer coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. On n'a même pas encore commencé. Malheur, je dis bien malheur, au sardinat qui va tomber entre nos mains. Il va lire l'heure. Vous humiliez des papas et des mamans, des pères et des mères d'enfants comme ça. Vous les forcez à dire des choses auxquelles ils ne croient pas, qu'ils ne veulent pas et qu'ils répugnent au plus profond de leur être. Des gens que même s'il faut, moi, si vous, je préfère qu'on me tue que de dire Paul Biya président. Je préfère mourir. Vous me tuez, vous me tirez une balle dessus. Vous forcez des gens à faire des choses contre leur nature et vous venez, vous osez dire que nous sommes violents. On n'a même pas encore commencé. Je dis qu'on n'a même pas encore commencé. Nous n'avons pas encore commencé. Trop, c'est trop. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Il est tortue. Il dit, assomme, on chante. Assomme, on chante. Vous forcez des papas, des pères et des mères de famille que vous humiliez, vous filmez, vous mettez dans les réseaux et vous osez dire ici que nous sommes violents. Vous osez dire que nous sommes violents. Je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Parce que le prochain Sardina qui va tomber entre nos mains.
On va lui faire ça à l'envers. Ça, c'est une de qui, ça? Je dis demain soir, nous allons nous asseoir ici et nous allons faire une démonstration de force. Nous allons faire une démonstration de force. Nous allons démontrer au régime de M. Biya qu'il ne peut pas briser les combattants au pays. Au même titre que Maman Pilon leur a démontré qu'on ne peut pas briser son esprit. Elle leur a dit, nous ne combattons pas la chair. Nous combattons les esprits. You don't have to understand anything. Au même titre que cette femme est restée droite dans ses bottes pendant ces 2 années en isolement en fou. Au même titre que cette maman n'a pas vendu le combat, n'a pas trahi. Malgré les tentations, malgré les corruptions. Malgré qu'on est venu lui parler en boule ou dans la cellule pour lui dire que tu es une des nôtres, viens si tu nous rejoins, on va te donner X, Y et Z. Cette maman est restée droite dans ses bottes. Et aujourd'hui, elle est un exemple. Elle est une héroïne. Contrairement à certaines femmes qui, après quelques mois en prison, ont craqué, ont giflé le président élu, ont demandé de respecter les institutions. On dit que désormais, nous devons respecter les institutions. Et on dit que Biya est une institution. Contrairement à certaines jeunes femmes que nous avons adulées, portées au sommet, portées au firmament de notre combat, cette maman, cette pauvre maman qui pilait le plantain. Ouais, mais mon pilon. Oh, wow. Je vais tout casser aujourd'hui. Cette pauvre maman, Abachan Touba, Asuna, Maurice Kamto, à Katebebela. Maurice Kamto, à Djouana Suna. Cameroun est à Bonvoy. Maurice Kamto, à Kaoulan Lamese. À Katebe Camerounena. Me sacrifier à Mamien Asuna, un Lamouan au Tchende. Un de maman pilon, maman Assomo. A tebe tete le, nye na ame te ya, an chanen tube kon. Ne ma lomo bongo o sikolo, bongo ba ma ne ma bobe sikolo ba se tabe sin da me te ya, me kate ya, me kate ya, me te ya. Demi anonye, mi lomo nye, ambok. Nya ke fete mwane mbe ambok. Mbo langa juna, a nyine ke RDPC. A bene RDPC. A kateya. A teya njouk. Nde nyan donye. Mi fite nyan mbok. Mi yite nyan. Mbole mi nga buna nou kon nge la fis. A mou mi lom yena nyan buna nge la fis. Eta me beba yi tjede. Yen nge la fis eta me beba. Kamerouna ne Kamerouna. Bulunga. Yen Kamerouna ne Kamerouna wenan. Kamerouna ne Kamerouna be Kamerouna be se. Aka non, ma wusa. Aka le kou wese ben de la fis. Est. Sud. A fola se. Bia be se bine Kamerouna te. Mina be sa. Mina be sa li mi a deside na. Mota fako wule se na. A ina, a jone bi mama yane tche de Kamerouna. Ndema katemia avale mama somo akakana achanchuba na chamia achamia nchobowe na akatia ateya ndema fuma katemia nalena meteya biteya etite bi nyabe ta bi na mitano bi komi bi bonye biteya Anto a Djodje. A
rends-toi à Djodje. Tu fais quoi dans les choses de Bamileke? Tu fais quoi dans les choses de Bamileke? À Djodje, je ne sais pas, parce que c'est le bien sur nous. On a encore besoin de Djodje à Djodje Bangladesh. Banga Katemiana, Cameroun et le Cameroun Wonan. Miami, Mibi le Cameroun, nga. Mibi le Cameroun. Biaze mia litena. Tomia yi, ki mon ne peut pas onan ni. Anto. Ezene yam, e keke. Anga ke. Anga ke. Bi yen avale mi bo. Bi yen. Don mama asomo. Mama, pardon, Mama Thérèse Assomon, nous allons soutenir cette femme, ainsi que toutes les autres femmes prisonnières qui ont été libérées, en commençant par les quatre, pour leur dire que vous êtes des héroïnes, vous êtes des exemples pour notre nation. Vos noms vont rentrer dans l'histoire de notre pays, en tant que les premières femmes qui ont passé 2 ans en prison, sans rechigner, sans plier les chines, sans céder à leur bourreau, en restant fidèles aux idéaux de la Renaissance et en restant fidèles surtout au peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, demain soir, connectons-nous massivement et sortons une tontine digne de ce nom pour cette maman qui est aujourd'hui sans domicile, sans emploi, sans aucune ressource, parce que sans Mélima, on l'a portée de San Mélima. On allait la jeter. Les boulous de San Mélima l'ont jetée dehors simplement parce qu'elle a dit qu'elle est marche derrière Maurice Kamto et le MRC. On lui a dit, tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Elle a dit, est-ce que ce ne sont pas les Camerounais? Est-ce que ce ne sont pas les Camerounais? Donc parce que c'est les Bamileke, il faut les torturer, il faut les taper, il faut les tuer. Parce que c'est les Bamileke, il faut les torturer jusqu'à ce que quelqu'un lise son nom et voie Betty, Thérèse Assomon. Il dit, ah, donc tu es Betty, hein? Mais oui, c'est tous les Camerounais qui veulent le changement, pas seulement les Bamileke. C'est tous les Camerounais qui veulent le changement. Dans cette résistance, dans ce combat, vous allez trouver les Camerounais de toute origine. Il y a des nordistes, il y a des sudistes, il y a des gens de l'est, il y a des gens de l'ouest, il y a des gens du centre, il y a des gens du littoral. Parce que tout le monde en a marre. Quand vous cassez les maisons, est-ce que vous choisissez les maisons des Bamileke avant de casser? L'autre jour, en Kouaban, c'était les maisons des Bamileke seulement qu'on cassait. Vous avez cassé les maisons de tout le monde, non? Attendez que je vous montre ce qui se passe actuellement à San Mélima, à l'heure où on parle. À l'heure où ils disent que ce sont les Bamileke qui veulent le changement. Attendez que je vous montre. Je vais retrouver ça. Que mes frères du sud, mes frères de San Mélima, de Bolowo, de Kribi, d'Amban, de comment on appelle, Moyomo Salah et autres, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas à l'abri de ces régimes satrapiques, sataniques. Et Maman Thérèse a dit quelque chose de très important. Elle a dit qu'on ne se battait pas contre la chair, mais qu'on se bat contre l'esprit. Et je vais revenir là-dessus quand je vais parler de l'homosexualité. Un instant, je vais juste vous montrer ce qui se passe à San Mélima. Voilà. De l'eau stagnante et encore de l'eau, entraînant des immondices par endroits. C'est un visage répugnant qu'arbore ce quartier de San Mélima. Ici, les travaux d'embellissement rendent laid le quotidien des populations. En 2021, dans le but de viabiliser le lac, des travaux ont été engagés, puis mis aux arrêts il y a 2 mois. Conséquence, aux alentours, on vit les pieds dans l'eau. Regardez l'eau partout, nous sommes dans l'eau, toute la maison est déjà dans l'eau et nous ne pouvons pas quitter ici parce que ici c'est un terrain sacré. Ils nous demandent de partir, que c'est ici qui va venir construire l'hôtel. Ici c'est un terrain sacré. Vous-même regardez, nous allons aller où? Risque de noyade pour les petits, maladie hydrique, comment ne pas crier à l'aide?
Les croix de Saint-André rappellent aux uns qu'ils doivent s'en aller. D'autres qui n'ont pas ce signe, devenu celui de la mort, sont autant dans l'embarras. Monsieur Ngabane, le feu ne s'était pas installé à côté du lac. Il s'était installé à côté d'un cours d'eau. Ici, ce n'est pas le lac. Pourquoi quitter, regarder la distance, troisième rue, route de Bissonon? Du côté de la mairie, on annonce que la libération des emprises est la seule solution. Descendu sur le terrain ce mercredi, le maire de Saint-Mélima annonce qu'il va ouvrir la digue pour assécher la zone. Pendant un an, on a sensibilisé les populations à libérer des emprises parce que nous allons devoir aménager le lac. Et je dois pouvoir le dire, nous, la réglementation n'autorise pas que les populations puissent habiter sur les rives du lac parce qu'il y a des risques justement d'inondation. Maintenant, les travaux en cours, des pluies sont arrivées. Et il se passe donc qu'avec les aménagements du lac, l'eau prend davantage son lit. Et en prenant davantage son lit, ça n'arrive pas à épargner les personnes que nous avons voulu épargner hier. S'il précise qu'un temps avait été donné aux populations pour libérer les espaces non constructibles, d'après lui, les cas sont imminents. Voilà, ça c'est à Saint-Mélima, hein. Ce n'est pas ailleurs. Ça c'est à Saint-Mélima. Donc, ces gens, lorsqu'ils vont se rebeller, on va dire que quoi? Est-ce que ce sont aussi des Bamileke? Ces gens souffrent au même titre que tous les autres Camerounais. Ces gens ont leur propriété, leur maison cassée. Au même titre que tous les autres Camerounais. Adikolo, c'était les Bamileke. Pourquoi ces gens veulent faire croire au monde entier que ce sont les Bamileke qui dérangent, qu'on casse et les gens marchent parce qu'ils sont Bamileke? C'est tous les Camerounais qui souffrent de ce régime. C'est tout le monde qui est la proie, qui est à l'emprise de ce régime. Tous les Camerounais sont en train d'être torturés, martyrisés par ce régime. Alors qu'on dise à Madame Assomo qu'elle fait quoi dans les choses des Bamileke? Elle fait ce que tous ceux qui sont torturés par ce régime font, c'est-à-dire se lever et réclamer. Vous voyez à quel point ces gens ont instauré le tribalisme dans l'ADN du pouvoir. Le tribalisme est installé dans l'ADN. Ils veulent faire croire aux gens que c'est les Bamileke qui se rebellent. C'est les Bamileke qui veulent le changement. Et que tout le reste des Camerounais, tout va bien. Mais que non. Je vais vous montrer. Hein, parce qu'il faut qu'on soit... D'ailleurs, Mani Bella, quand on a boycotté, on a annoncé le boycott de Mani Bella ici, les gens ont crié, non, pourquoi? Mani Bella n'a rien fait. Mani Bella n'est rien dedans. On leur a dit, Mani Bella a une voix qui porte. Au même titre que tous les artistes et tous les blogueurs. La preuve, les jeunes Camerounais copient le comportement qu'affichent ces gens. Si aujourd'hui, des jeunes filles vont à l'école, font des partouzes dans les lycées et dans les appartements, c'est parce que, en longueur de journée, elles voient des blogueuses qui leur parlent de partouzes, qui leur montrent la vie belle qu'elles mènent grâce aux partouzes. Si on a des gens qui s'habillent d'une certaine façon, c'est avec l'influence des rappeurs et des chanteuses. À un certain moment, la CIA TV avait interdit ce qu'ils avaient appelé les musiques pornographiques, parlant de déviance. Pourquoi est-ce que la CIA TV peut interdire des musiques? Justement parce qu'ils reconnaissent que les musiciens, les artistes, influencent la façon de penser et de se comporter du peuple. Alors lorsque nous boycottons ces gens, on nous dit non, ils ne sont rien dans la sauce. Est-ce que eux c'est Paul Biya? Vous les boycottez pourquoi? Ils n'ont rien fait là-dedans. Ils n'ont rien fait là-dedans. Ils sont en train de distraire le peuple. Ils entretiennent l'état de vassalisation du peuple. Ils sont payés pour garder le peuple dans un état d'ignorance permanente. Ils sont payés et entretenus pour garder le peuple dans un état d'endormissement total. Les gens aujourd'hui disent que, oh non, non, le Mali s'est levé, ils sont trop forts. Oh, Burkina, il y a eu encore un coup d'état, ils sont trop forts. Ce que les gens oublient, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, il y a la culture politique. Ils ne sont peut-être pas aussi éduqués que les Camerounais, mais ils ont la culture politique. Chaque vendredi, dans les mosquées, la prêche de l'imam a un élément sociétal et politique. Lorsque les activistes de l'Afrique de l'Ouest font les lives, il n'y a pas moins de 5000 personnes connectées. Parce que les gens s'intéressent
à la politique en Afrique de l'Ouest. Alors c'est normal que lorsque quelqu'un vient avec un message politique, que celui-ci soit suivi, que le peuple soit réceptif, qu'il se lève. Chez nous au Cameroun, les gens sont réceptifs à quoi? Au sexe, à l'alcool, aux drogues, aux mensonges, au sabotage et à tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Et ces gens le font exprès. Ils le font exprès. Ils peuvent aussi s'intéresser aux problèmes de la société du Cameroun. Mais ils refusent de le faire. Ils refusent de le faire parce qu'ils reçoivent des perdièmes du gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque nous les boycottons, des mécréants se lèvent et disent « Ah, ils ne sont rien à la sauce. Ah, est-ce que c'est Nathalie Nkoua qui va changer le Cameroun? Ah, est-ce que c'est Coco Emile qui va faire ci ?» Mais toutes les petites filles veulent être Nathalie Nkoua, toutes les petites filles veulent être Coco Emile. Toutes les petites filles rêvent de coucher avec un footballeur pour être célèbre. La petite Fiangang, ou c'est comment elle s'appelle, Cynthia Fiangang, qui a commencé à mettre ses nus dans Facebook. Elle le fait pourquoi? Ben parce que Nathalie Nkoua est devenue célèbre avec ses nudes dans Facebook. Elle le fait pourquoi? Parce que les Coco Emilia montrent leurs nudes dans Facebook. Oui. Elle a su qu'en montrant comment... elle sait que les Camerounais ne s'intéressent qu'au sexe. Elle sait que si elle montre comment elle est en train de pratiquer l'acte sexuel, les gens vont venir dans sa page. A contrario, nous qui parlons de politique et des choses intéressantes. Non, non, non. À l'instant où je vous parle, il y a peut-être un live de Congossa ou de sexe qui est en train de passer quelque part, de sabotage de quelqu'un. Vous allez voir que tous les Camerounais y sont. Et après, ils vont venir nous dire « Ah, votre combat a échoué. Ah, machin, machin, machin. » Mais ce combat, tant que nous sommes debout, nous allons le mener. Bon gré, mal gré. Et s'il faille que nous vous torturions pour que la fin arrive, pour que le Cameroun change, eh bien, carpe diem. Parce que le régime de Yaoundé n'hésite en rien lorsqu'il faut torturer des mamans comme Maman Pilon. Le régime de Yaoundé n'hésite en rien lorsqu'il faut la bastonner avec des machettes. Une femme qui n'a fait que marcher pour demander la fin de la guerre au Nozo. C'est de ça qu'il est question, les gars. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous montrer, hein, je parlais de Mani Bella. La pauvre Mani Bella, donc, qui, à corps défendant, a fait quelques postes de dénonciation pour OTS, a bel et bien dénoncé cette fois lorsque sa maison familiale a été détruite dans les casses d'Nkouabang. Elle a compris qu'il ne faut pas être Bamileke pour que sa maison soit cassée. Elle a compris qu'il ne faut pas être opposant pour que sa maison soit cassée. Elle a compris que même son silence n'a pas suffi pour épargner sa maison en Kouaban. Même son silence face aux exactions du régime n'a pas suffi pour sauver sa maison en Kouaban. Alors dénoncer, ce n'est pas une dénonciation pour quelqu'un, c'est une dénonciation pour tout le monde. Parce que si tout le monde s'était levé, lorsque les casses commençaient à dire colon, les casses n'auraient pas eu lieu en Kouaban. Si tout le monde s'était levé et avait dénoncé lorsqu'on cassait les tombes des Camerounais à Dikolo, les casses n'auraient pas eu lieu à Yaoundé. Et je vais vous montrer d'autres casses à Yaoundé. Hein. Ceux-là qui disent que nous nous levons parce qu'on est Bamileke. S'il n'y a que les Bamileke qui veulent le changement. Les casses-là, on ne vient pas mettre la croix sur la maison du Bamileke et on saute la maison de Léoundo. Hein. C'est tout le monde qui subit. Attendez. Attendez que je pense que le peuple camerounais n'est plus dupe. Le peuple camerounais n'est plus dupe. Lorsque le prix de l'huile rouge augmente au marché à 1300 le litre, ce n'est pas seulement pour les militants du MRC ou pour les Bamileke. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les Camerounais. Alors, attendez. Hein. Voilà, Yaoundé. Je vous montre Yaoundé. Au lieu dit Kondengi en bas, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, la matinée aura été faite de désolation pour les occupants d'un lotissement de plus de 10 000 mètres carrés. Aux premières heures de la journée, les engins encadrés par une escouade de policiers du commissariat central numéro 4 de Yaoundé y ont mené des casses à la demande de Gérard Vogo. C'est donc en déménagement forcé qu'ont été contraints les occupants.
Cette affaire remonte à il y a quelques années déjà. En 2020, Dame Vogo est en justice avec 19 personnes. Elle a gagné le cours sur les 19 personnes et sont assignés au déguerpissement. Il y avait des maisons, des anciennes maisons qui ont été détruites. 10 parmi les 19. Il est resté 9 maisons. Ça, c'est en 2001. À la suite, d'autres menaces de déguerpissement vont intervenir, accentuant la pression sur les occupants. Ils ressurgissent et recensent le reste des populations, y compris moi. On ne sait pour quelle cause. Et nous servent les itératifs de commandement, soit à 42 personnes. La justice nous déboute, nous qui avions été un rajout à la décision, à cet itératif, disant que nous ne faisions pas partie de ce procès. Après le décès récemment de Rita Mvogo-Mengue, c'est son fils qui a pris le relais pour aboutir au casse de ce jour. Sans décolérer, les victimes des casses dénoncent une arnaque de Dame Vogo au moment de l'acquisition du terrain. Elle nous a dit que c'est elle qui est déjà propriétaire, parce qu'elle va sortir au titre foncier. Elle m'a dit que vous qui avez acheté les terrains à moins d'un million là, par affinité, chez moi ici, si tu n'as pas 2 millions, et j'ai fait tout et tout et tout pour lui donner son argent. Des accusations formulées aussi à l'endroit de son fils aujourd'hui. Vous me dites que, père, pour toi, entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Si tu peux me donner aussi quelque chose, comme ça, ton cas, il n'y a pas de problème. Nous sommes partis chez un notaire. Tu demandes combien? Il a dit 3 500 000. Je venais de prendre la retraite. J'ai pris mes économies de la prime qu'on m'a donnée à la séparante. C'est ça que je lui ai payé. Bien plus, les déguerpis interrogent la validité du titre foncier de la famille Vogo et le non-respect des engagements pris. Ce terrain a été exproprié par décret présidentiel en 1973 et la communauté urbaine a attribué même des arrêtés pour préserver l'ordre social. Ils ont préféré nous attribuer les lots que nous occupions déjà. On ne sait par quelle alchimie Dame Vogo, de qui était mémoire, et son fils ont pu obtenir leur titre foncier qui sort en 1994. Qu'est-ce qu'on fait pour le morcellement? Il me dit que mon père, on est déjà ensemble. On va le faire. Restez tranquille. Toujours avec l'esprit de famille, je ne me suis pas enflammé. Malgré que j'avais ce document, je me dis que voilà alors aujourd'hui, en faisant cette confiance-là, on vient me raser. Vous voyez ma maison qui est rasée. En quête de nouveau domicile en pleine rentrée scolaire, les déguerpis de Kondengi en bas nourrissent l'espoir que les chevaux soient démêlés dans cette affaire. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un des nombreux problèmes auxquels font face les populations au Cameroun en ce moment, c'est-à-dire des problèmes fonciers. Quelqu'un se lève parce qu'il a des relations au ministère, parce qu'il a une personnalité, arrive sur un site et détruit tout. Détruit sans distinction. Madame Vogo, bien sûr, Betty, va à Kondengi, un quartier de Yaoundé, et détruit les habitants du quartier, parce qu'elle peut, parce qu'elle a le pouvoir. Et ça, c'est l'histoire du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde subit les affres de ces régimes, sans distinction. Donc, il est temps que ces gens arrêtent avec cette rhétorique tribaliste qui cherche à stigmatiser une partie du Cameroun et ses populations en démontrant aux gens que c'est eux les mauvais, c'est eux qui veulent détruire le Cameroun. Alors qu'en fait, ces gens se sont levés pour réclamer un Cameroun juste et équitable pour tous les Camerounais. Et tous les Camerounais en ce moment sont en train de lire l'heure, comme on dit vulgairement. Tout le monde est en train de lire l'heure. De San Melima à Yaoundé, en passant par Douala, tout le monde est sous le coup de ce gouvernement. C'est de ça qu'il est question, les gars. Donc, comme ça, ayant brossé ce problème, comme je vous le disais, nous allons demain aller plus en profondeur dans le problème de Maman Pilon. Et j'espère qu'on pourra avoir des correspondants du 237 pour nous expliquer plus en profondeur ce que ces femmes vivent en ce moment, juste après leur libération. Quelles sont les conséquences de leur emprisonnement dans leur vie et qu'est-ce que nous pouvons faire pour leur venir en aide. C'est de ça qu'il est question. Donc, ceci étant dit, nous allons passer au deuxième sujet de ce live. Et avant de passer au deuxième sujet de ce live, je vais vous faire suivre une vidéo.
Et je vous rappelle encore la phrase de Maman Pilon qui va faire en fait transition avec le prochain sujet. Maman Pilon a dit, nous ne combattons pas la chair, nous combattons l'esprit. Nous combattons les esprits qui nous ont mis en prison. Parce que oui, le problème du Cameroun n'est pas que factuel, il est aussi spirituel. Et je vais vous jouer une vidéo tout de suite qui va nous plonger en plein dans le sujet. Et ça va nous ramener au problème principal de ce live qui est l'homosexualité au Cameroun. Et le comportement des blogueuses, est-il étrange ou alors est-ce un fait que nous avons vu venir depuis longtemps comme quelqu'un dans un accident de circulation qui le voit venir mais ne peut rien faire ou alors est impuissant face au drame qui lui arrive. Donnez-moi un seul instant, je vais me rafraîchir, m'abreuver et nous allons entamer le deuxième sujet de ce live qui est l'homosexualité au Cameroun, le comportement des blogueuses. Merci. Un instant s'il vous plaît. Je vous laisse peut-être en musique en attendant que je m'abreuve. Voilà, merci. Merci. Alors, nous allons parler de l'homosexualité au Cameroun. Un instant, je vais enlever ces boucles, ça me fait un tout petit peu mal. Voilà, là c'est mieux. Nous allons parler de l'homosexualité au Cameroun.
Nous avons vu l'actualité qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux, surtout l'actualité venant des fameuses influenceuses blogueuses qui tournaient autour de l'homosexualité assumée ou pas de certaines d'entre elles. Et bien sûr, autant nous le savions, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, hein, on savait très bien que ces choses se pratiquaient dans ces milieux. Certains ont réagi avec violence et choc face aux révélations aussi choquantes qui venaient de ces milieux-là. Et qui n'ont pas cessé d'ailleurs, qui n'ont pas cessé. Cependant, cela nous amène à nous poser des questions parce que lorsqu'on sait que ces femmes sont suivies par la jeunesse au Cameroun, sont émulées même par les jeunes filles au Cameroun, il est de bon ton de se demander, est-ce que ces choses sont nouvelles? Est-ce que nous aurions pu prévenir ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux et même dans la société camerounaise, hein? On sait qu'il n'y a pas trop longtemps, un jeune homme du côté du Cameroun nommé Shakiro avait défrayé la chronique lorsqu'il avait été injustement enfermé et que d'ailleurs nous avons milité pour sa libération parce qu'il avait été arrêté en plein restaurant et rien, aucune preuve de pratique d'homosexualité et il a été jeté en prison. Cette question de tribalisme revient encore lorsqu'on parle d'homosexualité parce que il a été noté que il y avait une disproportionnalité dans le traitement des homosexuels au Cameroun, notamment ceux faisant partie de la tribu dirigeante sont traités autrement, alors que le jeune Shakiro a été jeté injustement en prison, torturé simplement pour avoir pour s'être amusé comme tous les jeunes de son âge dans les réseaux sociaux en exposant bien sûr son homosexualité. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont été pour certaines adoubées par le régime en place, appelées même pendant la CAN pour jouer aux ambassadrices de la CAN, qui aujourd'hui sont révélées être des homosexuels, hein, des homosexuels avérés. Quel serait le comportement du gouvernement et des autorités face à ces révélations quand on sait que ce même gouvernement a jeté un jeune homme comme Shakiro qui était inoffensif en prison? Quelle serait l'attitude du gouvernement face à ces dérives sévères que nous voyons quand on sait que ce même gouvernement a jeté la jeune Cynthia Fianga en prison pour avoir eu des comportements déviants? Donc, il est de bon ton de se poser toutes ces questions et de se demander si le traitement de la question est juste, équitable par le gouvernement. Lorsqu'on sait d'ailleurs que il y a peu de temps, on a vu un mariage homosexuel célébré avec faste au Cameroun, qui a été une abomination pour tout le monde, qui a défrayé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je parle bien sûr du mariage de Monsieur Bengono. Monsieur Bengono qui allait avec son époux ou épouse, on ne sait pas, dans son village et a fait un mariage traditionnel qui a été reporté dans toutes les chaînes de télévision. Ce Monsieur Bengono n'a jamais été inquiété par les autorités camerounaises, bien qu'il soit allé jusqu'au Cameroun célébrer un mariage homosexuel et de façon pire, de façon traditionnelle. Je vous rappelle le mariage de Monsieur Bengono. Un instant, hein? Voilà. Ce sera peut-être un reportage à titre péjoratif, je m'en excuse. C'est le premier que j'ai trouvé. Je veux vraiment présenter mes excuses si ce reportage est péjoratif. Il est de Vision 4 et on sait que Vision 4 n'est pas la meilleure chaîne en termes de reportage. Donc je vous prie de m'excuser et je prie toute la communauté homosexuelle de m'excuser. Je n'ai aucunement l'intention de les offenser. Je les respecte au même titre que je respecte tous les êtres humains de par mon éducation, de par ma profession et de par ma formation politique. J'ai l'obligation de traiter tous les êtres humains comme égaux, ainsi que le stipule la charte des droits de l'homme. Bonsoir mon fils Brice Ilendifo. Brice Ilendifo qui est le prisonnier du MRC du côté de
du côté de Kekem, qui avait été arrêté pour avoir dit que Paul Biya a volé les élections et que nous avons aidé ici. Il est libre, il était au meeting de Bafoussam, il sera au meeting de Konsamba et il est là ce soir avec nous. Bonsoir Fiston. Donc, écoutons ce reportage. C'est le scandale de l'année au Cameroun. Un bouleversement des mœurs qui a réveillé même les morts. Un couple homosexuel qui a débarqué au Cameroun et nargué toute la République. Votre chaîne de télévision Vision 4, fidèle à ses habitudes, a dénoncé avec la dernière énergie ce qu'elle a considéré jusqu'à l'heure comme une véritable abomination. Malgré les tentatives de démenti, la télévision africaine est restée fidèle à sa ligne et a suivi le couple homosexuel du Cameroun jusqu'en Europe. À travers ses correspondants, nous avons épié les pas de ces derniers lors de leur lune de miel et nous avons constaté que les abeilles s'y sont invitées. Voici les derniers événements d'un conte de fées d'un Camerounais qui voulut défier Dieu, la nature et les lois de la République qui s'apprête à tourner à un véritable cauchemar. Juillet 2021. Raoul Georges Bangona et son époux Henri Paulin nous mettent plein la vue à travers les réseaux sociaux par ces vidéos. Une véritable démonstration de Sodome et Gomorre en ciel ouvert. Les images de ce mariage célébré en Europe envahissent la toile et attisent de nombreux commentaires. Raoul Bangona, l'homme au cou de rein, qui a réussi à séduire Henri Paulin. Selon les témoignages de nos informateurs, que nous avons volontairement choisi de préserver pour ne pas divulguer nos sources, le couple Henri Paulin, plus que c'est désormais comme ça qu'on l'appelle, est sur le point de voler en éclats. Dans des témoignages à notre possession, Pascal Henri Paulin s'inquiète que son épouse, Georges Bangona, soit plus virile que lui lorsqu'ils sont au lit. Ce dernier se met très vite en érection et devient plus bombé lorsque les matchs à élimination directe deviennent intenses. Une situation qui embête ses réseaux. Non, je vais arrêter là. Ce reportage est nauséabond de Vision. Et on ne s'attendait pas moins. Hein. Vision 4 est spécialiste dans le nauséabond. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'était que en 2021, nous avons assisté en Mondovision à un mariage homosexuel d'un Camerounais. Lorsqu'ils se marient en Europe, il n'y a pas de souci. C'est autorisé en Europe. Mais ils portent son mariage et le déportent vers le Cameroun. Va faire un mariage traditionnel au Cameroun. Sous le nez et la barbe des autorités camerounaises, défiant ainsi la loi camerounaise. Et on se demande donc, est-ce que cette loi est à deux vitesses? Mais oui, bien sûr qu'elle est à deux vitesses. On la voit, on le voit lorsqu'il s'agit des prisonniers politiques. On le voit. Lorsqu'elle s'applique aux militants du MRC, c'est une justice et une loi à deux vitesses. On le voit encore lorsqu'il s'agit des homosexuels. Shakiro est attrapé dans un restaurant où il est en train de manger et jeté en prison. Monsieur Bengono peut aller célébrer tranquillement son mariage traditionnel au Cameroun et revenir en Europe sans être nullement inquiété. Alors, on se demande, l'homosexualité vraiment? Parce que lorsqu'on sait que les homosexuels, en théorie, sont torturés au Cameroun, sont pourchassés, sont humiliés, on se demande pourquoi ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Pourquoi est-ce que la société camerounaise n'arrive plus à cacher l'homosexualité? Voilà qu'aujourd'hui, le Cameroun a pris le brassard en termes de blogueurs homosexuels. Nous avons pris le brassard. Aucun autre pays africain n'affiche des blogueurs et blogueuses ouvertement homosexuels comme nous l'avons fait avec nos blogueurs et nos blogueuses qui s'affichent ouvertement en Mondovision avec leur orientation sexuelle. Je rappelle ici que nous ne sommes pas au procès des homosexuels. L'homosexualité tel que perçu dans la société occidentale où je vis et où je travaille, où j'exerce, est vu comme une orientation sexuelle naturelle d'un être humain. Donc, autant
Chez nous, au Cameroun, on sait pourtant qu'il y a des homosexuels qui le sont par choix, c'est-à-dire qui décident de devenir homosexuels parce que dans la mythologie installée au Cameroun, pour avoir des faveurs dans le gouvernement ou dans la société, pour devenir riche, entre guillemets, parce que c'est des idées installées dans l'imaginaire des Camerounais. On leur dit qu'il faut pratiquer l'homosexualité pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a des homosexuels volontaires, opportunistes, et il y a des homosexuels naturels, c'est-à-dire des gens qui sont nés avec des pulsions sexuelles orientées vers les personnes du même sexe. Malheureusement, on ne peut pas distinguer qui le fait pourquoi. Le constat est que le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun, qu'il soit un phénomène sociétal ou alors un phénomène naturel. Maintenant, en ce qui concerne le phénomène de société, c'est-à-dire l'idée qui a été installée dans le subconscient des Camerounais selon laquelle, pour réussir au Cameroun, il faut pratiquer l'homosexualité. Pour avoir un poste au Cameroun, il faut pratiquer l'homosexualité. Pour être riche au Cameroun, il faut avoir l'homosexualité. D'où est-ce que cela vient? Quand est-ce que cela a commencé? Je vais vous faire voir un élément qui va vous donner des petites idées. Et nous allons développer là-dessus. Ça, c'est un petit extrait. C'est un petit extrait. Merci Sylvia Vallon. Merci beaucoup ma guerrière. Merci pour les étoiles. C'est un petit extrait d'un livre appelé 100%. 100% est un livre d'un homme qui s'appelle Ebale Angounou Daniel. Ebale Angounou Daniel était le petit ami du président, entre guillemets, parce qu'il n'est pas président pour moi, rappelez-vous. Il ne sera jamais président pour moi. Ebale Angounou était le petit ami, c'est-à-dire le copain ou alors le partenaire sexuel de Monsieur Biya. Ebale Angounou s'échappe du Cameroun après avoir fait la prison. Avant de partir du Cameroun, il avait rédigé son premier livre qui était Paul Biya, le cauchemar de ma vie. Ensuite, il a rédigé 100%. Et ces livres avaient été publiés sous l'égide du messager de Pius Ndiaye. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Pius Ndiaye a été assassiné, systématiquement éliminé. Donc, ces livres sont disponibles dans la toile. Ils ont bien sûr été interdits au Cameroun, brûlés au Cameroun. Je me rappelle, en 1992, mon feu-père était sorti à 2h du matin pour aller à Douala, à Akwa, au messager, à la maison d'impression du messager, pour aller s'acquérir un exemplaire de l'édition spéciale du messager consacré à Ebale Angounou. Ebale Angounou avait fait des révélations fracassantes. Je dis bien fracassantes. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait de ce livre. Et ensuite, je vais vous faire écouter un autre extrait lu cette fois-ci par Patrice Nouma. Et puis nous allons développer. Your council or social housing provider does not want you to know this. If you have ongoing issues... La rédaction de Cameroun Web vous propose ce témoignage de Ebale Angounou, l'un des amis anciens proches collaborateurs de Paul Biya sur l'enfer vécu par l'ex-première dame du Cameroun Jeannie-Reine Biya aux côtés de son mari avant son assassinat à Paris. Après leur mariage, Jeannie-Reine a fait une fausse couche. Elle en a fait une seconde à Yaoundé en 1962 et a été hospitalisée à l'ancien pavillon Tarnier de l'hôpital central. En fait, son époux était défaillant au plan génital. Il avait des insuffisances sur ce plan. Il n'était pas incapable d'engrosser une femme, mais ses insuffisances génitales faisaient qu'une grossesse ne puisse pas être normalement constituée. Dès lors, elle était vouée à un relâchement. Dans son cas précis, on parlait d'azoospermie. Cela veut dire que son premier fils officiel n'est qu'un fils supposé. En effet, Franck Biya n'est pas le fruit des œuvres de son père, car il est né à une époque où celui-ci n'était pas pratiquement capable de faire des enfants.
Les enfants nés de son second mariage sont les siens propres parce qu'il a eu suffisamment de temps et de moyens pour mener à bien un traitement. On a créé autour de Franck une pathétique histoire d'amour entre un homme et la nièce de son épouse. Une histoire plutôt tirée par les cheveux. La mère de Franck est la nièce de Jeanne Irène. Comme son cousin Motaz Roger, elle s'est mise sous la tutelle de sa tante et de l'époux de celle-ci pour bénéficier d'un encadrement de choix en vue de poursuivre ses études. Elle est alors élève au lycée technique de Yaoundé. Les bonnes langues disent que Paul Biya aura entretenu avec la nièce de son époux des relations d'un certain genre qui auront abouti à la naissance de Franck Biya. Il s'agit là d'un chrétien pur sang, fils de catéchiste, qui n'est encore ni corrompu par les mœurs des milieux politiques, ni perverti par les mesquineries du pouvoir. C'est encore un haut fonctionnaire de l'État, imbu de son éthique d'ancien séminariste, correct dans la morale, intégrant son âme et conscience, qui ne demande qu'à servir son pays, tout en croyant fermement en Dieu. On sait de lui qu'il est sobre, tempéré, discret. Il n'est noceur ni jouisseur. Au départ, c'est un homme rangé, qui a tout à fait le sens de la famille. Certes, il cumule aussi des défauts et des imperfections. Mais pas au point de succomber au charme d'une enfant grandissant dans sa maison et placée sous sa tutelle. Lui qui, justement, sevré de la présence d'une progéniture, voulait transférer ses sentiments paternalistes sur les enfants qu'il avait dans la maison. En réalité, la nièce constate qu'elle est grosse. Elle panique et veut adopter un comportement suicidaire. Sa tante en est informée. Une concertation avec l'époux, et la résolution est bien vite adoptée. Ils prendront cet enfant pour lui éviter d'être un bâtard. Mais il faudrait aussi lui éviter d'être un fils adoptif, ce qui ne changerait rien alors au premier cas. Fondamentalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il reste l'enfant de sa mère car on ne pourrait jamais le passer pour le fils de Jeanne Irène, dont personne n'aurait été témoin de la grossesse. Par contre, il a absolument besoin d'un père, pour ne pas être fils naturel. Paul Biya, qui a fortement et désespérément envie d'un enfant, accepte de donner son nom à celui qui naîtra, et de le reconnaître. C'est donc, ainsi que le fils de la nièce de Jeanne Irène Biya, fruit inopportun d'une relation sexuelle, comme tant d'autres, aura le bonheur d'être reconnu par le mari de la tante de sa mère, pour devenir alors celui qui est aujourd'hui le nom moins célèbre Franck Biya. Pour l'entourage du président étant devenu essentiellement homosexuel, Jeanne Irène commence à sentir un fossé se creuser, et s'élargir progressivement entre elle et lui. Le chef de l'État ne se gêne d'ailleurs pas pour elle, car il peut aller et venir, avec des hommes au palais, comme bon lui semble. Ses partenaires se comptent dans son entourage immédiat essentiellement, et parmi ses collaborateurs et autres personnalités de l'État. Par cette pratique, il est convaincu qu'il développe son énergie psychique et son champ magnétique. Pour un chef d'État, pense-t-il, cela compte énormément. Et pour que cela rapporte davantage, il faut le faire très souvent, trop souvent, quitte à mettre son épouse mal. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? Je vais vous faire lire le même extrait par Patrice Nouma, parce que la lecture là, elle est un peu trop mécanique. Je vais vous faire lire le même extrait du même livre par Patrice, par Patrick Nouma. En gros, cette partie du livre, cet extrait parle de quoi? Nous sommes ici dans les années 80, fin années 80, début années 90. Fin années 80, début années 90. Donc, il y a plus de 30 ans. L'homosexualité se pratiquait déjà au palais d'Etoudi par le chef de l'État. Et Balé Angounou, qui relate ça, vivait au palais avec ce monsieur. C'était son petit ami. Il a vécu cette scène. Il était le petit ami du chef de l'État et il relate les faits d'homosexualité dans le palais d'Etoudi. Au point où le monsieur ne s'occupait plus de sa femme parce qu'il avait de multiples partenaires, hommes homosexuels qui venaient, qui défilaient au palais. Et il était convaincu qu'en le faisant, il développait son énergie psychique. Nous sommes dans les années 80, l'homosexualité se pratique déjà à Etoudi. Le premier Camerounais est le premier homosexuel du Cameroun. Le premier Camerounais est le premier homosexuel du Cameroun. Je vous fais lire le même extrait. Et c'est ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est son petit ami, son partenaire, Ebale Angounou Daniel. C'est pas moi, j'ai pas inventé. Ce livre existe, ce sont les dires de l'homme qui a vécu à ses côtés comme partenaire. Je vous fais lire le même livre par Patrice Nouma. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà.
Voilà. Écoutons ceci. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. N'est pas le fils de Paul Biya. Non. Est-ce que attendez. Eric n'est plus honoré et célébré. Ici, nous sommes dans le royaume de l'homosexualité, de la débauche, de la dépravation des mœurs. Et c'est de ça que je vais vous parler parce que avant moi, avant Charles Atelier-Yenné, il y en a un qui s'appelle Ebale Angonon, Daniel Saint-Yves, qui en avait déjà parlé dans un document concernant M. Biya, disant que M. Biya est un homosexuel. M. Biya est un homosexuel, c'est son choix d'être homosexuel. Et dans le même document, il nous confirme très bien qu'en détaillant, il dit que lui-même il était là quand M. Biya disait un certain nombre de choses lors des séances éducatives. Il était présent, l'auteur de ce livre. Et l'auteur de ce livre nous dit aussi que Franck Biya n'est pas le fils de Paul Biya. Est-ce que ça nous concerne? Oui, ça nous concerne le premier chef. Franck Biya est une créature de Dieu. Qu'il soit un fils adoptif ou un fils naturel, c'est une créature de Dieu. On a voulu qu'il naisse au Cameroun, dans notre pays. Mais ça doit nous intéresser aussi sur d'autres plans. On parle de Jésus. On dit toutes sortes de choses de Jésus. Y compris Paul Biya lui-même parle de Jésus. Pas dans les termes élogieux. Vous allez le suivre dans ce document. On parle de tout le monde. Et bon, ça crée de la curiosité. Nous voulons comprendre qui nous gouverne. Qui est notre président? Quel est celui que vous appelez le père de la nation? On nous dit qu'il est double signe. On nous dit qu'il est ci, il est ça. Il faut que chacun se fasse son interprétation. Il ne faut pas que ce soit que c'est Numa qui ait parlé. Moi, je me suis muni de la bénédiction de Dieu que j'ai convoquée ici, autour de moi, en lui demandant de me protéger, de m'accompagner, comme il a toujours fait. Ce n'est pas pour une occasion spéciale. Parce que je me pose toujours la question personnellement de savoir pourquoi celui qui dénonce les crimes est toujours menacé. Et que celui qui a posé ces crimes-là, lui, il est vénéré. C'est-à-dire, on aime ceux qui font dans le faux, mais on vous pourchassez, vous menacez l'assassinat, celui qui dit la vérité. Qui n'est pas sa vérité, c'est la vérité des faits, des écrits qui sont dits ici. Parce que demain, vous allez me confronter avec mes dires. À partir de maintenant, je vous l'ai dit depuis, si dans mes propos, il y a quelque chose qui ne va pas, et que demain la justice me condamne, condamnez-moi à mort pour donner l'exemple à ceux qui vont suivre après moi, que ne dites pas les choses qui sont fausses, ne dites pas les choses qui ne sont pas vraies quand vous ne pouvez pas les justifier. Si demain, il s'avère que ce que je dis ici est faux et que la justice le reconnaisse, qu'on me condamne à mort. Ne cherchez pas à me défendre. Ne me défendez pas. Soyons aussi une équipe qui est là pour valoriser les droits de nos parents, les valeurs que nos parents nous ont inculquées, pour parler, accompagner la parole de Dieu et les valeurs de Dieu. Pourquoi il n'y a que ceux-là qui sont dans la promotion du mal, qui doivent s'accaparer des télévisions, qui doivent parler d'homosexualité à la télé, qui doivent parler de zoophilie à la télé, qui doivent parler de prostituées à la télé, qui doivent parler de partout à la télé. Bon, les autres qui ne sont pas de ce côté-là sont menacés de ne pas parler. Pourquoi? Alors, mettez-vous aussi de votre côté. Vous allez mourir un jour. Que vous parlez, que vous ne parlez pas, vous allez passer un jour. Alors, si vous ne pouvez pas parler, je me suis fait le porte-parole de ceux qui viendront après moi. Priez pour nous. Ne me donnez pas l'argent, je n'en ai pas besoin. Donnez l'argent là à ceux qui sont au Cameroun, qui font appel à nous autres. Allez là-bas leur donner. Nous allons être leur porte-parole. Ne faites pas telle chose. Nous avons fait ça dans le passé. Nous avons dit des choses sans preuve, on nous a condamnés. Nous avons tué des gens, on nous a condamnés. Nous avons fait ceci, on a été en prison. Ne faites pas comme nous. C'est la mission que nous avons. Dire aux enfants, ne faites pas comme nous. Ne faites pas les erreurs que certains parents font aujourd'hui. L'homosexualité
n'est pas inscrit dans un cours, même si aujourd'hui on commence à prendre ça aux enfants à l'école, que devenez homosexuel, devenez tout ce que vous voulez, on dirait un garçon que bon, ce n'est pas parce que tu aimes un sexe homme que tu es forcément homme. Bon. Mais nous avons aussi pour mission de dire aux enfants, quand Dieu créa l'homme et créa aussi la femme à côté, nous avons le droit de le dire. On n'a pas, on ne va pas nous faire comprendre que comme tu l'as dit, tu détestes les homosexuels. Faites ce que vous voulez chez vous. Que chacun fasse ce qu'il veut avec son corps. Mais laissez-nous aussi parler aux nôtres. Que voilà, Dieu créa l'homme. Et à côté de l'homme, il a créé la femme. Il a dit, inondez le monde, allez et multipliez-vous. Nous avons ce droit-là. De dire aux enfants que nos parents nous ont dit ceci. Allons faire ça. Ce que vous allez suivre maintenant nous interroge et vous pose aussi la question. Je ne sais pas si le président, tous les autres présidents ont été homosexuels pour devenir président ou ils sont devenus en étant déjà président. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Kim Jong-un ou je ne sais pas si le président, le jeune Kim Jong-un qui a la bombe atomique est devenu homosexuel pour être président ou bien il est devenu homosexuel tout en étant président. Je ne sais pas si Xi Jinping l'est devenu. Je ne sais pas si Hollande a été homosexuel, je ne sais pas si Sarkozy l'a été, je ne sais pas. Donc, s'il y a certains présidents qui n'ont pas été homosexuels, ça veut dire que toi, tu peux aussi devenir président sans être homosexuel. Parce que ces présidents-là défendent des valeurs chrétiennes, des valeurs culturelles de chez eux. Ils défendent des valeurs humaines. Ils défendent quelque chose, tout en respectant les autres. C'est pour ça qu'il faut comprendre que de l'autre côté, il y a le mariage pour tous. Respecter ceux qui ont fait ce choix chez eux. Mais toi, ceux qui ont le choix de suivre ton chemin. Et il faut donc se poser la question sur un certain nombre de choses. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce que tu te dis toi-même? Que te disent tes parents? Tu dois être maître de ta pensée. Il ne faut pas suivre comme un mouton. Et si tout le monde devient dans ce lieu qu'on encule, qu'on sodomise, où est-ce que vous trouverez des enfants pour épouser des hommes? Puisque les hommes ne sont pas nombreux. Les femmes sont plus nombreuses. Alors, il faut que chacun se fasse son idée. Nous sommes ici pour essayer un peu de vous éclairer et comprendre pourquoi Edouati tous nous dit les choses ici et Balengou nous dit d'autres choses ici. Mais personne d'entre eux nous dit que voilà comment Paul Biya a révolutionné le Cameroun. Mais on nous parle toujours des mœurs, de la sorcellerie, du satanisme, de l'homosexualité de M. Biya, du mensonge, de la manipulation, de la violence. Paul Biya est un homme violent qui tabassait sa femme. On nous parlait de tout ça. Il faut qu'on se pose la question. Qui est notre président? C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce qui est ici. Ce n'est pas moi qui dis. C'est les écrits. Et je commente avec vous que chacun se fasse son idée. Je préfère mourir un jour pour une cause que je crois vraie que de mourir parce que je suis allé braquer une banque, on m'a tiré dessus. On m'a trouvé en train de tuer quelqu'un pour manger ses organes. Il y a tellement de gibier dans la nature. Il y a tellement de poissons dans ma ville de naissance, natale, à Douala. Il y a tellement de gibier dans ma région, au Bala. Il y a tellement de légumes chez moi, en fond de mon couette. Il y a tellement de choses que je ne sais pas comment est-ce que j'irai manger la chair humaine pour mourir demain comme Martin Bellinger Boutou. Donc, je vais partager ce volet-ci, les homosexuels. C'est le titre qui est écrit dans le livre de Daniel Saint-Yves et Balengona. Voici ce qu'il nous dit. Quelques connaissances... Non, il pose la question. Quelles connaissances avez-vous des maisons secrètes de la Rose-Croix et des initiations y afférentes? Telle est la question posée par le grand maître de la morgue à Paul Biya à l'issue des travaux spirituels par lui réalisés au palais. Il eût été aberrant que ce grand chef de l'ordre de la Rose-Croix ne s'intéressât pas particulièrement à son hôte dans le cadre de ce qu'ils avaient en commun, c'est-à-dire la confrérie. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de rapports entre maître et élève. Le président Biya n'a encore subi aucune initiation préalable liée au contexte exprimé par
par son allocuteur. Celui-ci va alors le soumettre à des initiations spécifiques. La rencontre entre un grand maître a quelque chose de particulier. En ceci, qu'elle laisse toujours des marques indélébiles. Ils ont des gestes, des paroles qui ne sont pas du commun. Les mains rosicriciens, après avoir lavé, entre parenthèses, il met les guillemets, après avoir lavé, entre guillemets, Paul Biya l'engage à un rapport sexuel, point. Ceux qui sont membres des sociétés initiatiques s'y prêtent selon une technique propre aux initiations pour eux reçues. Dans ces lieux, on prétend que Jésus-Christ était lui-même passé par là, pour cause qu'il était un homme, et qu'en tant que tel, il est passé par des écoles des hommes. Point. Ils prétendent que Jésus a lui-même été initié à la magie sexuelle. Dans un temple égyptien, par une prêtresse du dit temple. Point. Et même, ils soutiennent que Jésus était homosexuel. Je vous dis ça, c'est très fort et très important. C'est quelqu'un qui écrit. Et la position de cette personne-là me pose question parce qu'il est proche de M. Biya et ils sont ensemble. Et il le dit lui-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces gens-là, ils ont toujours, comme d'ailleurs même il le dit dans le livre, ils nous font croire et détournent parfois des images, des versions, des écrits pour que ceux-là, c'est-à-dire qu'ils épousent leur cause et nous faire comprendre que ce qu'ils font là est juste. Je cherche à comprendre pourquoi est-ce que dans le même livre qui nous fait parler de Jésus comme étant le fils du Père, et que le Père condamnait l'homosexualité, et qu'il a d'ailleurs décimé tout un village, ou ville, ou quartier, Sodome et Gomorrhe, à cause de l'homosexualité, et que les individus se lèvent et nous font comprendre que Jésus lui-même était homosexuel. C'est ce qu'ils écrivent ici, et c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Le paragraphe ici devient important. Écoutez, Paul Biya développa un jour cette idée devant des auditeurs attentifs, parmi lesquels l'auteur du présent ouvrage, dans le cadre des causeries éducatives. C'est-à-dire que Paul Biya développe l'idée que Jésus-Christ est homosexuel et que lui-même il a été comme ça initié dans l'homosexualité par une grande, grande prêtresse dans l'Égypte. En Égypte, c'est là-bas que ça s'est passé. Et c'est ce que Biya dit ici. Et c'est ce que confirme l'un de ses amis. C'est écrit ici, noir sur blanc dans ce livre. Je vais vous laisser tout le reste. Je vais prendre le dernier paragraphe parce que je vous invite à aller le lire et que chacun se fasse son idée. Il dit, après ses initiations à la pratique de l'homosexualité, Paul Biya, qui en a pris conscience des avantages, va s'y mettre à un rythme vertigineux. Point. Dans son entourage, tout le monde doit y passer. Je reprends. Après ses initiations à la pratique de l'homosexualité, Paul Biya, qui en a pris conscience des avantages, va s'y mettre à un rythme vertigineux. Dans son entourage, tout le monde doit y passer. Même les personnes les plus respectables. Point. D'ailleurs, plus on a de l'influence socialement, plus il gagne dans ce lien. Homosexuel.
s'y met tant et si bien qu'il finit par délaisser son épouse Jeanne Rembia, déjà gravement, mais injustement marquée par du sceau d'une malédiction qu'elle ne porte pourtant pas. À la réalité, Jeanne Rembia n'est pas stérile. Il précise, à la réalité, Jeanne Rembia n'est pas stérile. C'est lui, virgule, Bia, qui a des problèmes de procréation, point. Mais lorsqu'un couple a ce genre de problème, on indexe immédiatement l'épouse. Alors, le handicap pourrait bien partir de l'autre. À Paris, après leur mariage, Jeanne Rembia a fait une fausse couche. Elle en a fait une seconde à Yaoundé en 1962. Et a été hospitalisée à l'ancien pavillon d'Amiens de l'hôpital central. En fait, son époux était défaillant au plan génital. Point virgule. Il avait des insuffisances sur le plan. Point virgule. Il n'était pas incapable d'engrosser une femme. Mais ses insuffisances génitales faisaient qu'une grossesse ne puisse pas être normalement constituée. Dès lors, elle était vouée à un relâchement. Point. Dans son cas précis, on parlait d'azoospermie. D'azoospermie. Cela veut dire que son premier fils officiel n'est qu'un fils supposé. Point. En effet, Frambia n'est pas le fruit de celle de son père, car il est né à une époque où celui-ci n'était pas pratiquement capable de faire des enfants. Les enfants nés de son second mariage sont les siens propres parce qu'il a eu suffisamment de temps et de moyens pour mener à bien un traitement. On a créé autour de Franck une pathétique histoire d'amour entre un homme et la nièce de son épouse. Une histoire plutôt tirée par les cheveux. Et il poursuit. Il dit, la mère de Franck est la nièce de Jeanne Rembia. Point. Comme son cousin, Mota Roger, elle s'est mise sous la tutelle de sa tante et de l'époux de celui-ci pour bénéficier d'un encadrement de choix en vue de poursuivre ses études. Elle est alors élève au lycée technique de Yaoundé. La bonne langue dit que Paul Biya aurait entretenu avec la nièce de son épouse des relations de cet genre qui pourront aboutir à la naissance de Franck Biya. Il s'agit là d'un chrétien, pur sang, fils de catéchiste, qui n'est encore ni corrompu par les mœurs des milieux politiques, ni perverti par la mesquinerie du pouvoir, c'est encore un haut fonctionnaire de l'État imbu de son éthique d'ancien séminaire, correct dans la morale, intègre dans son âme et conscience, qui ne demande qu'à servir son pays, tout en croyant fermement en Dieu. On sait de lui qu'il est sobre, tempéré, discret. Il n'est noceur ni jouisseur. Au départ, c'est un homme rangé. Au départ, c'est important, écoutez bien l'histoire. Hein. Au départ, c'est un homme rangé qui a tout à fait le sens de la famille. Certes, il cumule aussi des défauts et des imperfections, mais pas au point de succomber au charme d'une enfant grandissant dans sa maison et placée sous sa tutelle. Lui qui, virgule, justement, c'est vrai de la présence d'une progéniture, voulait transférer ses sentiments paternalistes sur les enfants qu'il avait dans sa maison. En réalité, la nièce constate qu'elle est grosse, elle panique et veut adopter un comportement suicidaire. Sa tante, qui est informée,
une concertation avec son époux. Et la résolution est bien vite adoptée. Ils prendront cet enfant pour lui éviter d'être un bâtard. Mais il faudrait aussi lui éviter d'être un fils adoptif qui ne changerait rien. Qui ne changerait rien alors au premier cas. Je vais reprendre cette phrase ici. Une concertation avec l'époux et la résolution vite adoptée. Ils prendront cet enfant pour lui éviter d'être un enfant bâtard. Mais il faudrait aussi lui éviter d'être un fils adoptif, ce qui ne changera rien alors au premier cas. Fondamentalement, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il reste, fondamentalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il reste l'enfant de sa mère. Car on ne pourrait jamais le passer pour le fils de Jeanne-Hélène Billard, dont personne n'aurait été témoin de sa grossesse. Par contre, il a absolument besoin d'un père pour ne pas être fils naturel. Paul Billard, qui a fortement et désespérément envie d'un enfant, accepte de donner son nom à celui qui naîtra et de le reconnaître. C'est donc ainsi que le fils de la nièce de Jeanne, Hélène Billard, fruit inopportun d'une relation sexuelle, comme tant d'autres, aura le bonheur d'être connu par le mari de la tante de sa mère, pour devenir alors celui qui a aujourd'hui le nom moins célèbre, Franck Billard. L'entourage du président étant devenu essentiellement homosexuel, c'est celui qui écrit au dernier paragraphe de ce chapitre, et l'entourage du président étant devenu essentiellement homosexuel, Jacques-Hélène Billard commence à sentir un fossé se creuser et s'élargir progressivement entre elle et lui. Le chef de l'État ne se gêne d'ailleurs pas pour elle, car il peut aller et venir avec des hommes au palais comme bon lui semble. Ses partenaires se comptent dans son entourage immédiat essentiellement. Ses partenaires se comptent dans son entourage immédiat essentiellement. Et parmi ses collaborateurs et autres hautes responsabilités de l'État, par cette pratique, il est convaincu qu'elle développe son énergie physique et son champ magnétique. Pour un chef d'État, pense-t-il, cela compte énormément. Et pour que cela rapporte davantage, il faut le faire très souvent, virgule, trop souvent, quitte à mettre son épouse mal à l'aise. Et balai. Ça, c'est juste le paragraphe homosexuel de Paul Billard. Voilà. Donc, vous avez écouté la lecture de ce paragraphe du livre de Monsieur Ebale Angounou, lu par le combattant Patrice Nouma. Et cette lecture est très intéressante parce qu'il appuie sur les points. Lorsque nous commencions cette révolution, je vous ai parlé de ce que j'avais appelé le conditionnement social. Le conditionnement social, c'est quoi? Le conditionnement social, c'est le fait de faire adopter des comportements, des attitudes au peuple dans un but politique précis. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue un phénomène populaire, public au Cameroun. Mais tout le monde oublie là où ça a commencé. Ça a bel et bien commencé au sommet de l'État, dans la première maison de notre pays. Au sommet de l'État, l'homosexualité se pratiquait à profusion. Trop souvent, très souvent. Et ses collaborateurs de M. Billard ont déporté ce comportement des sphères de l'État
à leur département ministériel, à leur bureau, ainsi de suite. C'est comme ça que ça a commencé à découler comme un effet de neige. Ça commence au sommet, à étudier entre le chef de l'État et ses collaborateurs. Ceux-ci, lorsqu'ils vont dans leur département ministériel, ils le font aussi avec leurs collaborateurs dans ces départements. Ces collaborateurs vont aussi les faire avec les directeurs. Les directeurs vont le faire avec les larbins, ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est devenu un phénomène national. Je me rappelle il y a quelques années, lorsque mon petit frère, qui est aujourd'hui avec moi, Dieu merci, que je me suis battu pied et main pour que, parce que sinon, voilà. Lorsqu'il il passe sa licence en droit et qu'il est à la recherche d'un emploi au Cameroun, le premier souci de notre défunte maman, qui a couru parce qu'il était à l'université de Soa, elle s'est dépêchée de Douala pour aller à Yaoundé et se mettre à genoux devant lui et le supplier, lui dire, papa, pardon, j'entends que ici à Yaoundé, pour avoir le bureau, pour avoir un travail, il faut baisser le pantalon. Je t'en supplie, papa, si tu ne trouves pas le travail, rentre à la maison. Je vis encore, je vais te nourrir. Les paroles de ma défunte maman à son fils. Parce qu'il était de notoriété à Yaoundé à une certaine époque, et je pense que c'est toujours le cas, que pour obtenir un emploi, il fallait baisser la culotte. Ces gens ont installé l'homosexualité dans la société camerounaise. Ils l'ont normalisé. Et en même temps, ils ont sorti des lois pour interdire quelque chose qu'eux-mêmes pratiquent à profusion. Et ils sortent des lois pour dire que l'homosexualité est un crime, mais eux-mêmes la pratiquent à profusion. On a eu des cas célèbres de jeunes hommes qui ont été assassinés après avoir été violés au Cameroun. Vous vous rappelez le jeune homme qui avait été balancé du balcon de l'hôtel après avoir été défenestré après avoir été violé copieusement. Vous vous rappelez les cas des artistes qui ont été évidemment retrouvés morts après avoir été violés. Des cas pareils, il y en a à profusion. C'est devenu légion normale au Cameroun. On sait dorénavant que pour qu'un homme ait un poste, il doit baisser la culotte. C'est devenu un fait de société. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ces femmes qui affichent ouvertement leur comportement homosexuel, certaines qui l'assument, d'autres qui ne l'assument pas. Évidemment, parce qu'elles savent. Elles savent très bien qu'assumer ces pratiques sexuelles leur coûterait sur le plan de leur image, sur le plan de leur aura. Alors, elles vont nier avec toute la force qu'elles peuvent, bien que nous ayons toutes les évidences en ce moment sur, bien sûr, dans leur milieu. Le but de ce live est de dire que malheureusement, ces dérives ont été initiées par le gouvernement en place, entretenues par le gouvernement en place, encouragées par le gouvernement en place. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pendant que nous recevons notre première Coupe d'Afrique des Nations, après celle que nous avions perdue à Yaoundé, il y a plus de 30 ans, 40 ans, que dis-je, avant celle-là, le gouvernement choisit d'inviter justement ces femmes de petites mœurs, ces femmes à la vie douteuse, ces femmes au comportement déviant, pour justement être les représentants de l'État du Cameroun pendant la compétition. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dessus? Faut-il faire un dessin pour que tout le monde comprenne ce qui se passe? Et lorsque nous, les activistes, nous décidons que ces gens ne doivent pas être érigés en modèle, lorsque nous décidons
que ces gens ne doivent pas parler au nom des milliers de jeunes, des millions, que dis-je, des dizaines de millions de jeunes Camerounais. On nous dit, ah, vous êtes méchants, ah, vous leur en voulez, ah, vous êtes jaloux de leur vie, ah, vous êtes jaloux parce qu'elles sont plus belles, elles sont plus rayonnantes que vous. Que nenni, que nenni. Nous voulons et nous souhaitons que la société camerounaise érige des personnes qui prônent des valeurs de travail, des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'intégrité, des valeurs de générosité. Générosité envers le peuple. La générosité envers le peuple ne veut forcément pas dire qu'on va aller distribuer des dons dans les orphelinats. La générosité envers le peuple veut dire qu'on se tient aux côtés du peuple lorsqu'il est martyrisé. Qu'on se tient aux côtés du peuple lorsqu'il souffre. Qu'on dénonce les maux qui minent le peuple. Parce que lorsque Eunice Zénon va à Yaoundé et qu'elle revient, elle fait un sketch où elle parle de la vie chère. C'est sa façon à elle de dénoncer. Lorsque les blogueurs, les artistes, les comédiens des autres pays dénoncent les faits de société chez eux, c'est leur façon à eux de se mettre aux côtés du peuple. Mais chez nous, lorsqu'on demande à ces gens de parler des casses de maisons des innocents Camerounais, ils disent que, oh, ils sont apolitiques, ils ne font pas de politique. Ils sont apolitiques. Mais lorsqu'il s'agit de prendre l'argent du gouvernement pour la CAN, ils ne sont plus apolitiques. Parce que lorsqu'ils prennent l'argent du gouvernement, c'est bien l'argent du contribuable camerounais. Lorsqu'on leur demande de dénoncer la guerre du Nozo qui continue à tuer des millions, des milliers de Camerounais, que dis-je, pas des millions, des milliers de Camerounais, des dizaines de milliers de Camerounais, ils nous disent qu'ils ne font pas de politique. Ils lèvent les mains, ils disent que ah, nous sommes apolitiques. Ils sont apolitiques. Mais lorsque un membre du gouvernement les invite pour aller danser à un meeting politique, ils y vont allègrement. Ils ne sont plus apolitiques. La vérité, c'est que tous ces artistes, tous ces comédiens, tous ces influenceurs, tous ces blogueuses sont les petites mains de la dictature. Sont des personnes que le gouvernement utilise pour abrutir le peuple, la servir, l'assouvir, le maintenir dans un état de vassalisation, d'imbécilisation. La conséquence, c'est que ces gens sont les plus pauvres, les plus affamés, les plus maltraités, les plus délaissés. Et ils ne comprennent pas que c'est justement une volonté politique de les maintenir dans cet état de pauvreté, de mendicité, afin qu'on puisse leur jeter des miettes, afin qu'ils puissent eux-mêmes aller se mettre à genoux, ramper devant leur oppresseur pour commander des miettes. Attendez que je vous montre ce à quoi sont réduits ces chers artistes d'État qui refusent de dénoncer, qui refusent de se mettre aux côtés du peuple et qui pratiquent toutes ces pratiques abominables. Qui continue de pervertir la jeunesse de notre pays. Regardez à quoi ils sont réduits. Après, ils vont venir en Europe chanter pour quelques centaines d'euros. Boycott violent actif. Laissez-nous. Voilà les artistes. Hein. Je l'ai calme.
ces chers artistes qui vont s'enrouler au sol, au PMUC. Oh, on va mourir. Vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Que Dieu vous bénisse. Come on. Me voilà, je mangeais le riz à la sauce. À partir de demain, je vais manger. Vous allez nous tuer. Ils s'enroulent par terre pour quelques milliers de francs CFA. Au lieu d'aller au ministère de la Culture, aller réclamer ce qui leur est dû, ils vont chez, dans une société privée. Ah, oh, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Après, moi, j'entends que Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Vraiment, le père de la nation, le plus grand bâtisseur. Ayop, ayop, ayop. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonsoir, ma guerrière, maman Justine Boukam. Voilà donc. Voilà ces gens qui continuent de faire la promotion dans de ces comportements déviants, qui ont même ces comportements déviants adoptés par nos jeunes, qui sont incapables d'aller réclamer ce qui leur est dû là où ça leur est dû, et vont s'enrouler par terre pour dire que ouais, 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 vous allez nous tuer. Pour venir en Europe encore attendre Noël, chanter dans les Nganda, chanter dans les restaurants, les deuils, les réunions de famille, pour 300 euros, 200 euros, nous disons plus en Europe, plus en Europe, plus en Europe, le boycott va reprendre et il sera plus violent. Revenons sur le mot sexualité. Donc, lorsqu'aujourd'hui, ces blogueuses affichent leur homosexualité, assumée pour certaines et non assumée pour d'autres, comprenez que ceci est un comportement qui découle du sommet de l'État et qui a été distribué comme ça dans la société camerounaise. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, beaucoup sont des homosexuels qui se cachent peut-être. Au niveau du Cameroun, ils se cachent encore. Surtout ceux qui sont pauvres, surtout ceux qui sont de la mauvaise tribu, ils se cachent encore. Cependant, est-ce que c'est parce que cela vient du sommet de l'État que nous devons ériger ces personnes en modèle pour notre société? Est-ce que nous devons accepter que ces gens soient ceux-là qui montrent l'exemple à nos enfants? Comme je le disais tout à l'heure, l'homosexualité est un choix personnel. Choix de vie pour certains, au niveau du Cameroun peut-être, qui ont dans leur subconscient et des idées qui ont été ancrées par le gouvernement que pour réussir au Cameroun, il faut pratiquer l'homosexualité. Pour avoir de l'argent, il faut le faire. Par choix pour certains, par nature pour d'autres. Cependant, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Et dans la majorité des sociétés africaines, que ce soit de l'Afrique du Nord, l'Afrique septentrionale, jusqu'en Afrique du Sud, l'homosexualité n'est pas encore ouvertement acceptée. Quelle serait la meilleure attitude à adopter? Un, pour préserver notre société. Deux, pour préserver nos traditions, nos valeurs, tout en restant juste envers nos enfants. Parce qu'à la fin du jour, ces gens sont les nôtres. Ces gens sont les nôtres. Nous n'allons pas retourner à l'époque de la barbarie où il fallait les brûler, les clouer au pilori. Non, nous ne sommes pas des barbares.
il serait temps que ce sujet soit mis sur les tables de débat et que ce gouvernement, qui est l'un des plus homophobes du monde, assume sa responsabilité en tant que celui qui a instauré l'homosexualité dans le pays. En tant que celui qui continue de pratiquer l'homosexualité en majorité dans le pays. Lorsque Shakiro avait menacé de sortir sa liste, il avait dit qu'il y avait de nombreuses personnalités dans cette liste. Et tout le monde le sait. C'est un fait de société. Tout le monde le sait qu'au sommet de l'État, dans les bureaux, dans les départements, dans les ministères, ça se pratique. Tout le monde le sait. Quelle serait la meilleure attitude sociétale à adopter face à ce phénomène? Et quel avenir pour nos enfants? Telles sont les questions avec lesquelles je vais vous laisser ce soir et sur lesquelles nous reviendrons sûrement afin de débattre, afin qu'ensemble nous commencions à avoir des ébauches de solutions. Mais une chose est sûre, au-delà de l'homosexualité assumée ou non par ces blogueuses, parce que je ne pense pas que ce soit l'homosexualité qui choque la majorité des personnes. Ce n'est pas l'homosexualité qui choque, qui répugne. C'est le mode de vie même de ces influenceuses, entre guillemets, de ces femmes des médias, des réseaux sociaux, ainsi je les appellerai, c'est leur mode de vie en général qui répugne, qui fait honte, qui jette le discrédit, l'opprobre sur l'image de la femme camerounaise en général. C'est le fait que ce soit des prostituées qui aujourd'hui se dénoncent les unes les autres à travers des voices interposées. C'est ça qui fait le plus mal. Plus mal que l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut être naturelle. Dans ce cas, nous n'y pouvons rien. C'est le mode de vie qui fait mal, qui jette l'opprobre, qui salit l'image des Camerounais en général et de la femme camerounaise en particulier, qui projette l'image d'une femme paresseuse qui ne travaille pas parce que, jusqu'à preuve du contraire, aucune d'entre elles ne nous a montré où elle est employée. Par contre, toutes se sont auto-dénoncées comme étant des prostituées. C'est-à-dire des femmes qui vendent leur corps pour de l'argent. Et lorsqu'on pense que ce sont ces femmes qui sont connues mondialement comme étant celles qui parlent au nom du Cameroun, celles que le gouvernement invite pour représenter le Cameroun, il y a lieu de se poser des questions. Au-delà d'avoir fait la promotion donc de ces pratiques, le gouvernement serait-il en train de faire aussi maintenant la promotion de la prostitution, du dévergondage? Telles sont les questions avec lesquelles je vais aussi vous laisser. Et vous avez noté tout à l'heure que je n'ai pas terminé le reportage de Vision 4 que j'ai jugé et qui est d'ailleurs très péjoratif envers la communauté LGBT et même envers ce couple. On peut faire un reportage sans insulter la vie intime de deux hommes qui ont décidé de passer le reste de leur vie ensemble. Ce qu'ils font dans leur chambre ne nous intéresse pas. Ça ne nous concerne pas.
Ce qui nous intéresse dans ce mariage, c'est le fait que ce soit un mariage coutumier qui s'est fait au Cameroun où la loi est anti-homosexuelle. Et que ce soit fait sous la barbe et sous le nez des autorités qui n'ont même pas bougé le petit doigt, mais qui sont allés enfermer Shakiro qui prenait un repas tranquille dans un restaurant. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, les gars, à nous de déterminer ce que nous voulons que le monde voie de nous. Est-ce que nous voulons que le monde sache que toutes les Camerounaises sont des femmes en Europe qui refusent de travailler, ne refusent de se former, ne font rien en longueur de journée, mais se prostituent? Voulons-nous que nous soyons les champions du monde en matière d'homosexualité, encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ce live, en tant que professionnel de la santé, en tant qu'être humain, mère, je reconnais qu'il y a deux types d'homosexualité au Cameroun. L'homosexualité forcée par la société, où les gens pensent qu'en le faisant, ils auront beaucoup d'argent, et l'homosexualité naturelle, qui est des personnes dont l'orientation naturelle est vers les personnes du même sexe. Enfin, est-ce que nous allons faire preuve d'humanisme et d'humanité? Ou alors allons-nous avoir des comportements de sauvages? Ces questions sont des questions profondes qui nécessitent beaucoup de réflexion et dont les réponses auront une incidence sur les générations futures au Cameroun, ainsi que sur les Camerounais de la diaspora. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Restons mobilisés et sachant que la révolution, au-delà d'être politique, est d'abord idéologique. La révolution, elle est d'abord humaine. Avant de changer la société, nous allons apprendre à changer nos comportements. Avant de changer le politique, nous allons apprendre à changer notre façon de penser et notre façon d'agir. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Rendez-vous demain soir sur la page United for Cameroun avec Villageoise du Kouat et Annie Choco pour une levée de fonds inédite pour Maman Pilon et les trois autres femmes qui ont été incarcérées et libérées après 2 ans. La patrie ou la mort, nous sortirons vainqueurs. La patrie ou la mort, seule la victoire est possible. Merci.